Yo le fago, bonjour, bonsoir tout le monde, merci pour fidélité nous avec équipe Bomba TVA et puis Bomba de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Jodi à nous pas développer deux points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe Bomba TVA nous voulons remercier tout le monde qui toujours branché Bomba TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bomba de Police, équipe Bomba TVA, nous apprécions ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser ou pas oublier abonner avec Bomba TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça va permettre de faire partie équipe notification Bomba TV. Avant de démarrer avec information, nous voulons saluer Sandro, Magali Metelis, Wisconsin Guillaume, Don Vava, Semi Celestin avec Roberto qui toujours qui des commentaires pour nous. Et bien nous va perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. On nous ouais. Sous initiative bureau première dame République la Martine Moïse, commune Azil recevoir kit alimentaire et hygiénique dans cadre prévention contre maladie ici en Haïti. Et nous voulons faire connaître tout, directeur départemental l'Ouest Police Nationale d'Haïti, commissaire Pierre-Jean-Alex, inauguré un sous-commissariat dans la zone CESLES, dans la commune Croix-des-Bouquets. Ces informations, ça, nous portons pour nous, pas perdre du temps, nous commençons à couler. Parce que ici, c'est l'asile communal Port-au-Prince. Et l'asile, c'est une institution que c'est nous-mêmes, Eric Paul-au-Prince, qui est responsable de tout fonctionnement de A à Z. Jeudi, plus précisément, nous là, parce que nous joignons un gouvernement qui relève nous et qui porte à propal dans la question pour nous combattre le problème nous connaissons avec COVID-19 qui la caille nous connaissons. Ici, nous avons près d'une centaine de petits grands monde, des personnes âgées qui n'ont pas de famille, pas l'autre monde qui peut occuper. Et c'est nous-mêmes qui occupons. Et peut-être ça, nous recevons jeudi, nous avons des kits alimentaires et des kits hygiéniques. Hier, madame, première dame, a assuré que le voyait en compagnie vient faire aspersion pour eux, pour assurer nous que pas de aucun virus, pas de aucun mauvais bagage dans immeuble, nous nettoyer, bien nettoyer. Et jeudi, nous recevons kits hygiéniques et alimentaires pour personnes âgées. C'est là nous avons nous avons 100 petits grands monde avec nous là. Nous avons une cinquantaine d'employés parce que nos employés ont une sécurité, ou des monde qui occupé de nettoyage immeuble, ou des infirmières, nous avons deux docteurs qui sont responsables santé petits grands monde tout, ou des cuisinières, ou des lessiveuses. Donc un bel groupe employés tout qui là qui assure que le fonctionnement asile fait correctement. Administration asile communale déjà correcte. Nous avons intendant, nous avons tout l'autre monde qui est avec lui, nous avons responsable médical, mais responsable pour faire un nettoyage, nous avons tout le monde ça déjà. C'est pas on suivi vraiment côté que pas rien qui est en place. Seulement nous t'es de tous côtés, même la caille ou la caille moins, n'a cherché manger pour nous mettre en plus parce que nous par contre ça pas arriver demain avec cause COVID-19 là et n'a assuré nous que gain savon, que gain pas de dentifrice, que tout ben ça nous gagne en quantité et comme nous gagne 100 moun ici là, alors là c'est beaucoup plus. Et c'est là que nous joignons apport président madame ni qui dit mais ça n'a voyé pour asile là pour que nous tout gagner mettre dans dépôt pour que nous assurer hygiène avec nutrition yo. Et ça c'est tout le monde nous ouvrir nous fait demander pour tout le monde nous gagne missionnaire d'habitude qui toujours viennent aider grand monde tout. C'est tout le monde qui mettre ensemble en solidarité que nous besoin dans moment ça là que nous vivons là pour aider ça pas gagner les plus démunis et dans groupe moi gagne là c'est une groupe qui beaucoup plus à risque tout de COVID-19 comme nous connaissons que les atteignent les n'a gardé nombre numéro dans l'autre pays l'autre boglo et que les atteignent grand monde beaucoup plus et pourcentage de mortalité est beaucoup plus élevé dans l'âge ça. Alors c'est peut-être ça encore que nous obligés faire tout effort nous pour nous assurer nous que yo gagne glo pour faire entretien, glo pour yo boire, yo gen manger, yo gen produit hygiénique, produit désinfectant, yo gen masque, tout ça que nous ka réfléchir pour nous assurer que même le ouais, si nous t'a obligé mettre immeuble ça en isolement, yo même en dedans, yo gen tout ça yo besoin. D'ailleurs, il y a plus de 3 semaines que ici là nous pas recevoir invité encore à cause de problème COVID-19 là encore, nous t'ai déjà anticipé. Parce que à cause de l'âge et problème médical que nous avons, nous connaissons que nous ne sommes pas capables de gérer l'infection ici. Sans solidarité, sans sans complexe, sans pareil pour nous faire, tout côté. Dans l'antile communal, la caille nous, avec voisin nous, dans le travail nous, parce que c'est gens où nous sommes là, faut moins faire toute prévention que le ministère de la Santé publique, bon, moi, dit, mais qui est bon pour moi, pour me faire, faut moins qu'à faire, même j'ai femme de confiance que vous-même tout à faire, pour que nous assurions nous que la maladie n'est pas rentrée sous nous. Et à partir de jeudi, j'aime dire, n'a pas fermé porte asile en tout. Si vous contactez mairie, il est capable, si vous avez des gens qui t'ont aimé, pour t'aider, vous pouvez toujours contacter mairie. Mais après de ça, on a fait arrêter la caillou. Et vous même, les gens qui sont après arrêter la caillou. Mais même tout, faut que nous, comme nous gagnons pour une sortie, c'est nous qui autorité, c'est nous qui pour là. Mais, on a dit tout le monde, arrêter la caillou. Et suivre consigne ministère. Oui, mais de façon symbolique. Clé sous commissariat CESLES qui ont nécessité pour monde dans la zone. Et remettre clé ça, il inscrit dans le cadre global, donc plan de sécurité qui est élaboré par le conseil municipal là, qui est dirigé par Maïska ou Rony Colin. Et rappelez-nous, la presse qui l'a dit, nous le 18 décembre 2018, nous avons remis clé plusieurs mini commissariats de police, ça nous les antennes policiers que nous mettons dans Catalan 1, Catalan 3, Jérusalem, Onaville. C'est dans quatre plans global ça, surtout dans la zone ça côté gon une forte concentration de population pour nous permettre que les gens aient une sécurité. Et dans quatre ça, tu as besoin ça tout dans la zone CESLES, sous commissariat ça qui va desservir moun CESLES, moun Bédé, moun Santo, moun Milavoie, c'est une nécessité. Et les gens qui déjà dans le cadre du plan global de sécurité qui est élaboré par le conseil municipal là, qui est dirigé par Maïssa ou Nicolas. Nous, là, je dis pour nous remettre de façon symbolique clé sous le commissariat à CPA. Et nous avons profité de l'occasion pour nous dire que nous aimons et nous souhaitons que ce commissariat travaille avec le conseil municipal là, et que la symbiose va exister. Et population, on a un rapport police-population. C'est ça, nous, les police communautaire, côté population, on a le travail avec la police pour nous combattre la sécurité. Parce que les zones, ça, sont zones côté, il y a plusieurs cas de sécurité. Nous pensons avec le commissariat, ça, aujourd'hui, que le problème, ça, on va le résoudre. Nous faisons divers, nous avons environ 6 antennes de police que nous mettons. L'étape là, c'est continuer de travailler ensemble avec la police nationale là, pour nous permettre que les gens, Croix-des-Bouquets, les gens dans la communauté, gagnent la sécurité. Voici le tout nouveau sous-commissariat construit grâce au financement du conseil municipal de la Croix-des-Bouquets, représenté par le maire principal, M. Rony Colin. Cette construction va permettre à nos effectifs de travailler dans un environnement favorable à leur épanouissement. Elle est un atout indéniable à notre gestion réaliste axée sur le maillage sécuritaire à CESLES. Nous rendons hommage à vous, monsieur le maire, pour cette dotation. La police nationale d'Haïti, dans sa volonté d'assurer la sécurité des personnes et des biens, s'est inscrite dans un vaste programme de rénovation sécuritaire axé sur le professionnalisme des forces et moyens adéquats pour mener à bien sa mission. Mesdames et messieurs, pour la sécurité des personnes et des biens, il faut la police de la communauté. Il faut aussi une étroite concertation et une véritable cohésion entre les autorités locales, la population et sa force de police. À la suite de ce sous-commissariat, beaucoup de choses vont être réglées. La mise hors d'état de nuire des malfrats, les bandits armés au sein de la communauté. La dynamique du directeur général de la police nationale d'Haïti est de voir l'opérationnalisation de nos forces de sécurité intérieure. Nous avons maintenant un sous-commissariat à CESLES, ce qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec satisfaction que la police va être assise à CESLES pour mener à bien sa mission régalienne. Nous exigeons aux responsables de la police beaucoup de choses. On n'a pas besoin de hisser la cathédrale pour faire peu de choses. Ça qui passe là, il montre nous que même si on n'a pas beaucoup, mais avec le peu que nous ayons, on peut toujours faire même petites choses. Eh bien, Catel mairie ou magistrature Croix-des-Bouquets, hein, eh bien, ils ont réalisé ça. Ils ont réalisé li. Ils l'ont regardé. Ou pas besoin de mettre un verre concave pour ouais. Ça que bail, ou est que c'est fruit travail. Nous est que c'est toute quête que vous faites, toute taxe que moun qui habite dans la juridiction, ou du moins dans la commune, yo contribué qui que yo ba nous ça. Ça a montré un paquet de bagailles. Nous pas besoin que c'est extérieur qui vous venir pour faire un bagaille pour nous-mêmes. Mais lorsque nous position, ça que vous faire, nous faisons et nous quittons le temps avec lui. Et ça fait que nous dit que Maïska, Rudy Colin, avec tout l'autre membre de Catalan, nous dit c'est bien, Kembela, continuez comme ça, et qu'il y a l'autre monde qui a suivi, qui a contrôlé, et pour que capable faire continuité. Donc avec peu de moyens, mais que ou bail commissariat ça, là. Nous connaissons que la justice, brafoli, pour que l'efficace, c'est la police qui peut accompagner vers l'efficace. Automatiquement que le commissariat ça, il là, il est renforcé et il parlera nous plus performants dans le travail nous que nous avons effectué dans le paquet Croix-des-Bouquets. Encore une fois, nous dit mairie, magistrat Rony Colin, merci de l'initiative que le prend et lui réalisé et nous dit avec la police, nous gagnons et DDO qui là. Nous dit que l'IPAL gagne un contrôle de commissaire Yassa et de collaboration que nous gagnons ensemble avec le commissaire Djenan, eh bien, nous mettons nous ensemble pour que le commissaire Yassa lui servi à bon escient pour tout le monde qui habite dans la communauté. Ça. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Et toujours songer pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.